all the stuff. The best of the big ones. He's rough and he's tough. Bigfoot and the muscle machines. They're big and mean. Follow Bigfoot if you get in a fight. He'll come to the rescue with all of his might. Bigfoot, when you need him, you know he's around. Bigfoot, he'll crush him and make him leave town. Bigfoot and the muscle machines. They're big and dirty and mean. Oh non, oh, elle est encore en bon état. Il faut lui mettre la main dessus avant qu'elle arrive au stade. Et maintenant, ce que vous attendez tous ce soir, Bigfoot et machine super masquée. Bigfoot et l'engin de couleur. À ce volant, le grand gang justice. Car Bigfoot, vous l'avez compris, c'est le camion. Un 4x4, robuste et puissant. Il va relever un super défi ce soir, réussir à réduire en miettes un nombre incalculable de véhicules destinés à la casse des Ravenscroft. Bigfoot a déjà fait ses preuves, vous le savez tous, mais ce soir, son chauffeur souhaite nous faire découvrir encore plus son véhicule. Et voici notre cher professeur Trésor et son fidèle compagnon Tibi, qui cet adorable animal est beaucoup plus qu'une simple bête. C'est un véritable copilote pour le professeur. Regardez quelle adresse! Et enfin, aux commandes de ce superbe bolide, le Noir d'Or, on découvre deux charmantes personnes, Marilyn Douglas et sa sœur jumelle, Candy, ici au volant. Admirez-les! Tu n'as pas fini de jouer aux vedettes? Vous vouliez nous tuer, espèce de folle! Où est-elle passée? Par mon drac, la voilà! On peut pas la rater. On va faire le grand ménage là-dedans. Je savais pas qu'on avait des invités. À moins que cette femme ne soit une nouvelle recrue. Le service de sécurité du stade semble être dépassé. À mon avis, ce n'est pas une spectatrice clandestine. Cette jeune femme semble avoir des problèmes. Oh, voleur! Rendez-moi mon camion! Occupez-vous de lui, moi je me charge de la fille. Ah!
Donne-moi la carte. Je suis désolée, mais je ne l'ai pas. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Jamais je n'oserais, je vous assure. Vous la trouverez peut-être là où vous allez. Garde ton profil bas. Tu n'as absolument aucune excuse. Tâche plutôt d'exécuter les ordres que je te donne. Et essaie de ne plus me décevoir ou je te fais disparaître de la planète. Je ne suis plus tout jeune, alors dépêche-toi de me retrouver cette carte avant qu'il ne soit trop tard pour moi. Oui, oui, patron, je le ferai. Je le ferai. Est-ce que l'un de vous sait qui étaient ces hommes? Sauf ma tension, j'en ai bien peur. Ne tardons pas à nous remettre en route, sinon on va arriver trop tard à Las Vegas. À mon avis, c'était pas un accident de forêt. Quelqu'un nous en veut. Tu vas trop souvent au cinéma. Pourtant, Marilyn n'a pas tort. Tout ceci n'est pas arrivé sans raison. Mais à première vue, je ne vois pas laquelle. Ça a peut-être un rapport avec l'espèce de folle hier au stade. Oh, tu voulais dire cette femme? Je savais que tu l'avais remarqué toi aussi. À mon avis, nous sommes suivis. Gardez votre sang-froid, il faut essayer de les semer. Par la sainte culotte de Dieu, ils n'ont pas l'air très gentils. Mettons-nous en ligne. Il faut surtout pas les laisser nous dépasser. À l'attaque! S'il te plaît, regarde si mon poudrier est bien dans mon sac. Tu crois que le moment est choisi pour te refaire une beauté? Je t'ai demandé quelque chose. Tu n'es pas aussi sotte que je le croyais. Ne vous ont jamais dit que c'était dangereux de faire de l'autostop? On ne les a pas totalement découragés. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Je ne crois pas. Je suis juste cinglée. Prends ça!
non plus, t'as pas été invité. Ah, c'est pas grave, je m'impose quand même. On m'attend ailleurs, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Pas de doute, quelqu'un nous en veut à mort. Moi, j'ai ma petite idée à ce sujet. Seulement, je préférerais en parler devant un bon hachis parmentier. On dirait que vous avez eu de gros problèmes dans les montagnes. J'aurais jamais pensé que c'était si dangereux. Et comment? Et ce ne sont pas les arbres tout seuls qui nous ont fait ce coup-là? En fait, je crois que ces super motards étaient après quelque chose. Après quoi? Tu as une idée? Peut-être après moi. À mon avis, Candy a raison. Ces hommes cherchaient sûrement quelque chose. Mais quoi? J'ai beau réfléchir, je ne vois pas quoi. SOS mécanique, que puis-je pour votre service, monsieur? Est-ce que nos invités sont là où nous le souhaitons? Parfait, je serai là avec la dépanneuse dans 10 petites minutes. Non, heureusement. Mais regardez cet emblème, ça ne vous dit rien? C'est étrange, cette bande de motards fous avait le même. Celui qui est après nous doit avoir beaucoup d'argent. Sûrement, ça lui a déjà coûté plusieurs motos et une super machine. Et à moi, un garage. En ce cas, si vous êtes du genre passionné des voyages, vous pourriez être notre mécano. Ben ça, c'est vraiment très gentil de votre part. J'ai besoin d'argent maintenant. Quelle est votre destination? Le prochain spectacle est à Las Vegas. Ah ben, vous avez de la chance de m'emmener avec vous. Parce que je connais très très bien la route pour y aller. Sly semble rattraper sa courbe de l'autre jour. Cette fois-ci, il fait du bon travail. Ça vous dit une bonne petite bière? Ouais, bonne idée. Ah, pas besoin de la secouer, il y a déjà assez de mousse. Je sais. Ah, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez nous tuer? Ah ah. Vite, on n'a pas fini. Je vais pas vous laisser aller bien loin comme ça. Bon, maintenant, tu as le choix, mon petit gars. Ou tu te décides à parler, ou tu te tapes le désert. Et je vais pas attendre une... Thank you.
est étrange, c'est le même emblème que l'autre fois. Bienvenue au plus grand super 4x4 au monde. J'ai nommé Quail Voleur. Vous aviez promis la tête d'affiche à Bigfoot. Ouvre les yeux, mon grand. Partout à la télé, à la radio, on ne parle plus que de Quail Voleur. Et c'est lui que tout le monde réclame maintenant. Mais je ne t'ai pas oublié puisque tu es en dessous sur l'affiche. Écoutez-moi bien. J'ignore de quoi vous avez peur, et je m'en fiche complètement parce que moi j'ai peur de rien, et je veux un duel à un contre un avec ce Grave Roller. Oui, tout ce que tu veux, mon grand. Oui, patron, ça a marché comme sur des roulettes, patron. Il a mordu à l'hameçon comme prévu. Fantastique. Vous avez fait du très bon travail, il faut continuer. Alors vous allez miser haut sur Grave Roller. Comme ça, s'il gagne, vous serez riche. Mais si jamais il perd, vaudrait mieux pour vous vous cacher dans un trou de rat. Et voilà, mesdames et messieurs, Bigfoot contre Grave Roller. Le gagnant sera un grand champion. Le perdant, lui, prendra un bain. Cette machine a l'air très puissante. Tu ferais mieux de renoncer. Merci pour tes encouragements. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. De toute façon, peu importe, je ne renoncerai pas à ce duel. Enfin décidé à t'arrêter et à te battre loyalement. Tu m'en doutais. Tu vas te décider à parler ou tu préfères que j'emploie la manière forte. Arrêtez-la! Je ne veux plus jamais t'avoir dans mes pattes! Tranquille. Et pourquoi voulez-vous ça à tout prix? Je ne suis pas du tout obligée de vous répondre, je vous signale. Effectivement, vous n'êtes pas obligée, mais avec la police, ça sera différent. Car une fois en prison, vous aurez entre 3 et 10 ans pour vous décider à répondre. Cette carte est à moi. Seulement, quelqu'un a essayé de me la voler. Et c'est pour ça que je l'ai cachée là l'autre soir. Est-ce que cela vous suffit?
J'espère que je ne te dérange pas. Du tout. Mais il m'a semblé que tu avais des problèmes. Mais non, vous ne dérangez absolument personne. Cette jeune femme vient de m'expliquer pourquoi la moitié des gangsters du pays sont à nos trousses dès qu'on va quelque part. Et ça a un rapport avec ceci. Aucun de nous ne le savait, mais ça fait maintenant 3 jours qu'on voyage avec. Une carte ? Et pour aller où ? Ne vous occupez plus de ça, voulez-vous ? Cette carte m'appartient, alors rendez-la-moi, et après je m'en vais. Oui, mais comme elle nous a presque coûté la vie, j'estime que nous avons nous aussi un droit sur elle. Ah, oui, je vois où vous voulez en venir. Si on utilise cette carte ensemble, on le fait à ma façon. Vous, vous conduisez, moi je dirige. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'on recherche, hein ? C'est à moi de le découvrir. Vous, vous n'avez rien à savoir. Yank, nous pourrions tout simplement prendre la carte et chercher ce qu'elle cache tout seul. Essayez toujours. Mais est-ce que vous savez déchiffrer l'espagnol ancien ? Non. En ce cas, on n'a plus qu'à s'associer. Monsieur Sly, la confiance que j'avais en toi diminue d'heure en heure. Vous vouliez que je le rince, patron ? Non, j'ai l'intention de lui donner une nouvelle chance. Mais si tu échoues, tu le paieras d'autant plus cher. J'y arriverai cette fois, je vous le jure, monsieur. Bonne chance, Dishmol. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie quand vous ne courez pas après des cartes, chère madame ? Écoutez, monsieur Justice, si tel est bien votre nom, tout du moins, de tels bavardages ne m'intéressent pas. Mais on peut savoir ce qui vous intéresse ? Ni vous, ni vos machines, ça c'est certain. Alors je vous en prie, restons-en là et occupez-vous de votre vie de bohème. Vie de bohème ? Vous êtes bien méprisante. Laissez-moi vous le dire une bonne fois pour toutes, chère madame, je ne sais quoi. J'aime ma super machine, j'aime tous les membres de mon équipe et j'aime voyager. Par contre, je n'aime pas les conversations de salon et encore moins les histoires à dormir debout. J'aime les gens simples, peu m'importe s'ils ont fait de longues études ou non. Et de toute façon, le principal, c'est le respect des autres. Ils sont sur la bonne route. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Lève ton pied, ça me gêne. Et si tu avais appuyé sur la pédale, je ne l'aurais pas. Non ! Laissez-nous le passage ! Je m'en doutais. Cette folle a un faible pour lui. Regarde-moi ça. Faites attention, on va finir en sandwich. Attendez-moi là. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire d'autre. Je ne sais pas ce que cache cette carte, mais il est sûr que quelqu'un veut la récupérer. À mon avis, il est grand temps de tout nous dire à ce sujet. Ah, le problème, c'est que je ne vous connais pas beaucoup. Help, help, les choupinets! Vous avez l'air d'avoir fait un grand ménage de printemps dans le coin. Et si vous voulez, le grand Lord Junior peut vous prêter main forte pour finir cette entreprise. On est désolé, mais on a assez de problèmes comme ça. Retourne voir ta mère. Pourquoi cette sévérité ? Moi, je le trouve plutôt adorable. Merci pour ton offre, petit, mais on peut se débrouiller tout seul. Mais vous n'avez rien vu, chers amis. C'est un super méga turbo que j'ai essayé moi-même qui l'ai fait. Avec ce super bolide, je décoiffe tout le monde quand je double. Je ne comprends pas ce que vous dites. Il dit juste que sa voiture est rapide. Eh bien, comme je te l'ai dit, mon petit, on a tout ce qu'il nous faut. Et merci quand même. Bon, ben, comme vous voudrez. À la maison, super méga turbo. Salut, le petit loup. Je trouve que ce garçon parle un langage plutôt bizarre. Vous n'êtes pas de mon avis ? Au fait, vous ne m'avez pas dit, mais est-ce que vous êtes du genre à adorer les voyages, vous ? Si vous tenez vraiment à tenir une conversation de salon, je vous répondrai que oui, mais je voyage différemment. Je préfère l'avion. Ah oui ? Là, qu'est-ce que c'est ? Eh, nous n'avons rien à nous reprocher, les amis, alors on se garde. Message reçu. Messieurs ? Bougez pas, lis-leur leurs droits.
Oui, patron, vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Mais vous avez aussi droit à parler à votre avocat. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous payer un... qu'est-ce qu'on fait s'ils peuvent pas payer un avocat, chef? Je connais pas la suite, mais passe-leur le menotte. Mais nous n'avons rien fait de mal. Vous direz tout ça au juge. En fait, c'est sûrement un coup monté. Oui, seulement, on peut rien faire pour l'instant. Pardon, madame, mais on ne pourra pas vous libérer avant, voyons voir ça, 20 heures. Nous allons bien finir par trouver la carte. Sauf si on a un peu de chance. Il ne vaut mieux pas rêver. Tenez. Voilà, je l'ai. Chef, regardez ce que j'ai trouvé. C'est bien dommage de ne pas avoir un petit coup de chance quand on en a grand besoin. Ça suffit, la sieste, tout le monde debout. Vous avez le choix entre deux choses. Ou l'un de vous m'aide à traduire cette carte, ou vous pourrissez dans cette cellule pendant les 50 prochaines années. Je vais tâcher d'arranger ça. Ça ne devrait pas être long. La carte dit que 3 km vers le sud, en partant du pic de Abbott, vous devriez trouver un point de repère. Il s'agit en vérité... Fermez les gens, ce soir c'est la méga fête. Mais c'est le petit fou des champs. Le beau Gignard. Mon beau héros, tu as fini de rêver. Oh, il vient droit sur nous. Je m'ennuyais déjà sans vous et j'aime pas être tout seul, alors prêt pour la fête, les petits loups. Mais merci, petit. Notre suivant. Monsieur Justice, en l'air. Au secours. Ouais, je viens tout de suite. La grande Athélo qui demande de l'aide au petit Manuel. Faites vite. Alors, tout va bien? Qu'est-ce que tu fais? Allez, vite, sautez! Ah, pour une fois que je suis contente de vous voir. Non, mais ma parole, il s'échappe. Il faut tous les rattraper. Et voilà, fini les problèmes. Avec Junior et son super méga turbo, tout roule. Ah, en voilà un qui sait ce qu'il veut. Maintenant, il est de la famille. Qui veut se mesurer à mon super méga turbo? Bon, ça va, vos parleurs. Au lieu de bavasser, pourquoi tu n'acceptes pas de passer aux actes, hein? Continue à parler, j'aime ta voix. Ah, je savais bien que j'avais la plus belle voix du pays, j'en étais sûr. Ah oui? Et qui te l'a déjà dit? Le faux shérif et sa bande sont derrière. Il faut réagir. Ma carte routière indique qu'il y a un pont à 500 mètres. Ils doivent pas nous échapper! C'est vous le shérif, alors faites quelque chose! T'as faux le pas, bonhomme. Allô, loulou, rends-moi vite un service. Quel est ton problème, petit canard? Active la ramalité du pont illico. Regarde, le pont se relève! Il faut absolument le franchir. À s'en sortir, c'est fini. À moins qu'il ait réussi à ouvrir son carreau juste à temps, il serait déjà remonté, non? Et voilà, bon débarras, et on n'en parle plus. Vous parlez trop vite, on dirait qu'il est en train de remonter. Ah, oui, continue! C'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez, on le tient! Au lieu de rester planté là, sautez sur ce bateau et rattrapez-le! Excusez-vous, vous n'allez pas entraver l'action de la police? Oh, je ne le voulais pas, mais c'est moi le maître à bord. À partir de maintenant, c'est moi. Si vous n'êtes pas content, c'est exactement le même prix, c'est compris. Ah, comme ça, c'est vous la police.
Ah, mais ne le jetez pas, il aurait été parfait pour notre repas de ce soir. Pas encore. Ils sont derrière nous. Accélérez, ils vont nous écraser. Mais Big Foot ne peut pas aller plus vite. Oh, ils vont bien finir par nous passer dessus. Essayez de me donner une idée. On peut bien retourner au fond une seconde fois. Qu'une bande de petits bons à rien. Bande d'idiots! Ici, Mr. Sly au rapport, monsieur. La fille a pu me traduire la carte. Je crois que je peux vous conduire là où se trouve ce que vous cherchez. Hey, du calme! Excusez-moi, j'ai pas la carte avec moi, ils ont réussi à fuir. Mais je suis sûr qu'on trouvera un moyen pour les retrouver. Qu'est-ce que je fais de lui, patron? Est-ce que je le noie? Une minute. Dorénavant, je n'aurai plus besoin de vos services, Mr. Sly. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Alors, adieu. Tu ne sens pas très bon, du schmoll. Je te conseille de prendre un bain. Je crois qu'il est temps de faire entrer en jeu notre super camion, monsieur. Bonne idée. Ce tas de fer a besoin de prendre un peu l'air, je trouve. Et un petit peu d'exercice lui fera certainement le plus grand bien. Emmenons-le sur le terrain d'entraînement. J'avais un peu peur de vous avouer tout cela avant, mais j'estime que vous avez tous le droit de savoir. L'homme qui est à notre poursuite est Adrian Ravenscroft. Quoi? Adrian Ravenscroft? Le milliardaire? Mais je croyais qu'il était mort. Vous n'étiez pas le seul. Pendant les 20 dernières années, il a vécu loin des yeux du monde, dirigeant son vaste empire commercial à partir d'un bureau secret. Mais aujourd'hui, il a refait surface. Qu'y a-t-il d'aussi important sur la carte qu'il ne puisse s'offrir avec son argent? Il est préférable que vous l'ignoriez. Je me demande bien ce qu'un milliardaire ne peut pas s'acheter. Une chose qui, si elle vous était offerte, ne vous intéresserait pas, Junior. Ma foi, il n'y a qu'une seule chose que je veux, c'est cette très charmante fille. Ah non, vas-y, pas ce petit frimeur. Doucement, taisez-vous. Vous n'entendez rien? On reprendra le café plus tard. Vite, aux machines. Monsieur Maguet-Turbo n'a pas l'intention de mourir. Il faut accélérer. Ils ne pourront pas nous suivre longtemps. Pour une première bonne action, c'en est une. On a tous des talents cachés. Je crois qu'il y a un obstacle à l'horizon. On dirait du brouillard. J'aimerais bien, mais tu te trompes. Faites demi-tour! Essayez de passer le canyon. Nous allons voir qui de nous deux est le plus fort, Bigfoot. Laissez partir la femme et réglons ça entre nous. La femme aussi est mon ennemi. Comme ça, on sait au moins à quoi s'en tenir. Inséparable, on restera jusqu'à la fin. Vous ne connaîtriez pas une prière très efficace. Adieu, Bigfoot. L'adversaire est pris au piège, patron. Et la carte, où est-elle? Ah oui, je vais m'en occuper. Ça va te coûter très cher, petite tête, tu peux me croire. Aïe. Oh. Il fallait, gamin. Kyle.
Et faites quelque chose! Hey, vous! Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne m'échapperez pas! Est-ce qu'on arrivera à réparer Bigfoot? Allô, mon beau petit ange? Je me sens un peu seul dans mon méga turbo. Pourquoi tu ne viendrais pas me tenir compagnie? Avec plaisir, mon cher. Je croyais qu'il ne me le demanderait jamais. Et quand il va s'arrêter une seconde? Merci de me laisser toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Il perd de l'essence? Je suis coincée! Je n'arrive plus à bouger! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça colle! Attends-moi, le beau chevalier Junior Lamp va voler à ton secours! Ah, ouh! Mince! Mais qu'est-ce que... Ça a l'air encore plus collant que du chewing-gum. Regardez derrière! Oh, à mon avis, on va finir en compote de bitume. Accrochez-vous, j'accélère à fond! Moment de faire des avances, reviens ici tout de suite, tu entends ce que je te dis? On ferait comme si le héros vient au secours de la belle. Oh, quel beau prince! C'est décidé, je t'enlève à l'autorité de ta soeur, qu'elle se débrouille. Voilà qui est gentil, il va falloir que je m'en sorte toute seule. À toi, super méga turbo. Échappée belle. Avec un Bigfoot encore plus grand, plus personne n'a aucune chance contre lui. N'essaie pas de me déranger, pas avant que j'en ai fini, c'est compris? Je n'y suis pour personne. Non, je vous en prie, ne baissez pas les bras maintenant. Vous ne savez pas à quel point c'est important. Eh bien, je trouve que j'ai toutes les raisons de laisser tomber, et pour commencer celle-ci, vous ne nous avez pas encore dit ce qu'on cherchait. C'est exact. Vous êtes d'accord pour qu'on risque nos vies pour vous, mais vous ne l'êtes plus quand il s'agit de connaître un secret. Il s'agit de la fontaine éternelle. Quoi? La fontaine éternelle. Mais oui, mais c'est bien sûr. Et je suppose que vous savez aussi où se trouve le trésor des Templiers. Bon, j'ai compris, j'ai compris. Je vais vous montrer. Maintenant, écoutez-moi bien. Cette carte est la clé du plus extraordinaire trésor de tous les temps. Ceci est un compte-rendu de la dernière expédition de Ponce d'Ilium. Il est dit qu'au mois de juillet de l'année 1621, lui et ses hommes découvrirent une magnifique fontaine, but de leur long voyage. Cette fontaine magique rendait jeunesse et robustesse aux vieillards, ainsi qu'aux plus faibles. Par contre, l'un des paragraphes est d'une écriture différente. C'est peut-être un rajout, car il faut savoir que cet homme et ses compagnons sont tombés dans une embuscade. Et tous moururent. Sauf un de ses hommes d'équipage. Et cet homme ajoute qu'il craignait de ne pas rester longtemps en vie. Et pour finir, cette carte fut découverte dans une tombe perdue il y a 6 mois. Eh ? Le grand démolisseur est revenu, regardez vite, juste derrière. Vite! Ah.
le professeur. Junior, fais quelque chose, dépêche-toi. Le Volos, à nous deux. C'est la fin de notre belle amitié. Tenez le coup, professeur. Petite sœur, dépêche-toi, le temps presse. Vas-y, appuie sur ce champignon. Oh, je peux vous dire merci. Attention, c'est pas encore fini. Donne-lui la leçon qu'il mérite. C'est pas la peine de te cacher, je finirai bien par te trouver. Va me trouver. Attention les gars, ça va faire boum. Oh, la belle rouge. Bon travail, monsieur Justice. On ne sème pas mon super méga turbo comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, mais le molosse a réussi à prendre la poudre d'escampette. Pas pour longtemps. Pas longtemps. Vous avez la carte maintenant. Vous n'avez plus besoin de moi en ce cas. Au contraire, monsieur Justice va être obligé de nous suivre. Vous vous trompez, parce que je lui ai déjà traduit la carte, figurez-vous. Erreur, jeune fille. Mon détecteur de mensonges dit que vous mentez. Monsieur Ravenscroft, vous me dégoûtez. Là, vous dites la vérité, mais je ne désespère pas parce que dans quelque temps, vous m'aimerez. Jamais. Ah, vos amis se sont lancés à notre poursuite. Ils vont voir ce que je leur ai réservé. Bianc, on tient Adrian, il est devant. Ah, je ne vois plus rien. J'aime bien lever des armées telles que celle-ci. Rien ne peut lui résister. Regardez, une escadrille! Souhaitez-vous assister aux dernières heures de l'existence de vos amis, chère petite madame? Vous n'êtes qu'un horrible monstre. Ils ne vont pas tarder à intensifier leur attaque. Qu'on rattrape cette limousine. Mes amis seront bientôt là. Je trouve que votre optimisme est quelque peu prématuré.
Entre nous deux maintenant, Ravenscroft. Pas entre nous deux seulement, la jeune femme est en ma compagnie. Ne vous inquiétez surtout pas pour moi, réglez-lui son compte. Je ne vais sûrement pas lui laisser cette chance. Je suis prêt. Adieu, Young Justice. Ah, il manquait plus que ça. J'ouvrais la fontaine tout seul. Plus personne ne me reconnaît. Écoutez, j'ai une petite idée. La carte parlait d'une forêt dans la région. Il faut y aller. Seulement, elle n'indiquait qu'un chemin pour y arriver. Et malheureusement pour nous, c'est Ravenscroft qui a la carte. Ça ne peut pas être là. Ça ne ressemble pas aux indications. Et regardez, les voilà, et suivons-les. Oh là là, j'ai mis le pneu où il fallait pas ou quoi? Je suis jeune et je vais rester jeune pour l'éternité. Au revoir, je m'en vais. Oui, moi aussi, je vous suis. Disparais, imbécile! Je n'ai plus besoin de toi maintenant. Éternel. Adieu, justice. Oh, dépêchez-vous. Et c'est ce que je fais. On va y arriver. Ah plus on est gros et méchant, et plus on se fait mal en tombant. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, justice. Vous ne mourrez jamais vivant.
Je crois que ces chers crocodiles vont faire un excellent dîner. Un site archéologique dont j'ai rêvé toute ma vie. Dommage. Eh bien, mais ce ne sont que des vieilles pierres. Toi, il n'y a que les hommes qui te plaisent. En tout cas, on peut fermer l'entreprise maintenant. Nous n'aurons jamais assez d'argent pour faire réparer toutes les machines. Je n'aurais jamais dû vous suivre dans cette aventure. Je me retrouve sans rien. Qu'est-ce que c'est? Au secours! Ah! Eh, ça va, petit? Ah, je ne me suis jamais senti aussi vieux de ma vie. Et vous avez déjà vu autant de bijoux, d'or? Waouh! Nous sommes riches! Nous sommes riches! Oh, quel vacarme, là! Un peu de calme me fera du bien. Attendez, Yank! Vous n'allez pas prendre votre part de l'or? Non, je crois qu'être riche, c'est pas un truc qui me convient. Mais où est-ce que vous voulez aller? Oh, je n'en sais trop rien encore. À moins que vous ayez une bonne idée. Oui, une très bonne. On pourrait aller se marier.